Transcending history and the world, a tale of souls and swords, eternally retold. Ok, le cri de Ning nous annonce déjà la couleur. Allez, salut à tous, c'est Nuketraonze et bienvenue pour la vidéo spéciale de 300 abonnés. Donc, sera avec le jeu Soul Calibur de la version Nintendo GameCube, et c'est parti. Donc, bon, on va faire le mode arcade, évidemment. Et bien sûr, hein, je vais prendre Link. Donc, c'est parti. Bon bah déjà pour commencer, hein, bah je vous remercie à tous, hein, tous autant que vous êtes, à vous être abonné à ma chaîne, franchement ça me fait énormément plaisir quoi, je suis déjà à 300 abonnés et là actuellement j'étais même plus à 345 il me semble, c'est vraiment énorme quoi, franchement je vous remercie encore et encore et encore quoi, ça me fait très très plaisir, puis espérons que cela va continuer bien sûr, hein. Mais franchement c'est pour moi c'est vraiment énorme quand même. Hein. Donc bon, enfin déjà, comment dire, ma chaîne elle a commencé à un peu fonctionner bah, depuis que j'ai fait Pokémon Crystal en fait. Ouais c'est là que ça a commencé à bien fonctionner. Ensuite, bon bah avec Super Smash Bros Brawl, bah vu que j'ai été une des personnes à avoir fait ce let's play, bah du coup ça a plu à pas mal de gens. Et franchement, voilà quoi. Et là du coup, bah là je fais... Elle est en train de me défoncer. Ouais, mais c'est bon, calme-toi. Oh. Je fais Pokémon XD. Et là, du coup, la machine elle a explosé quoi, niveau nombre d'abonnés. Et franchement, bah, encore une fois, ça me fait plaisir. Et je vous remercie encore. De toute façon, je vous remercierai jamais assez. Quoi. Bon, après, bon, je vais pas non plus passer mon temps à vous remercier pendant toute la vidéo. Non, mais enfin, bon, en tout cas, vous m'avez compris et je pense que vous me comprenez. Quoi. Sachant que bon, je précise bien que depuis que j'ai fait ma chaîne, enfin que j'ai créé cette chaîne YouTube, voilà, j'ai commencé qu'avec des let's play, hein, je précise. Ok, parfait, comme ça c'est fait. Donc franchement, ça me fait vachement plaisir. Enfin bon, après franchement, bon, je ne sais pas trop quoi dire, bah déjà, bah, je remercie. Bon bah je pense qu'en fait je pense que je vais vous remercier pendant toute la vidéo quoi. Non mais sérieusement, je remercie bah, pour toutes les personnes qui m'ont soutenu hein, depuis le début. Bah déjà je pense à Hashim ou Mr. Hashcrouge, bon, ça dépend. Ils utilisent ces deux pseudos. Enfin bon, il se reconnaîtra bien évidemment. Enfin voilà quoi.
Ça fait tout simplement plaisir. Sinon, vous remarquerez le thème lorsqu'on trouve un objet dans les jeux Zelda. Le mec, il change pas de sujet, mais bon. Mais bon, à part ça, je sais pas trop quoi dire. Bah, en même temps, je tiens aussi à remercier mes followers. Et en plus, j'ai atteint un peu plus de 100 followers sur Twitter. Donc, pour ça, hein. Ah oui, ok, d'accord, elle aime défoncer à distance. Vas-y, là, viens ici, putain, fais chier. Enfin, je vous remercie, quoi, voilà. Vas-y, relève-toi, là. Non, sinon, bon, en parlant un petit peu du jeu, hein, bon, Soul Calibur, c'est un excellent jeu, franchement, c'est un jeu que je voulais vraiment, en plus. Sachant que quand j'avais su comme quoi ce jeu allait sortir sur GameCube, je savais pas qu'il y avait Link, en fait. Je ne savais pas du tout, parce que, en fait, moi, je voulais un jeu de combat... sur Nintendo GameCube, quoi, parce que bon, je sais que les jeux de baston ils étaient un peu pauvres quand même. Donc, quand j'avais su qu'il y avait Soul Calibur, je voulais m'intéresser à ce jeu. Et quelques mois plus tard, j'avais vu dans un magazine officiel de Nintendo, parce qu'à l'époque, j'étais abonné à ça en fait. Et j'avais vu comme quoi il y avait une, quoi. Ah bah putain, j'étais vachement content, quoi. C'était vraiment un truc de ouf. Ok, moi je rate mes coups. Donc du coup, le jeu m'a deux fois plus intéressé. Elle va me défoncer, ça continue comme ça. Le jeu m'a fait deux fois plus intéressé. Puis voilà. Putain, je fais que de la merde. Vas-y, là. Eh, mais je suis mort. Oh, la poufiasse. Non, ça, franchement, c'est vrai que c'est vraiment pas évident de jouer à un jeu de baston et parler en même temps, quoi. C'est pas comme si on vous jouait à un jeu de plateforme et que vous parlez. Non, mais sérieux, elle commence à bien faire, là. Vas-y, je vais la défoncer. Ok, c'est moi qui me fais défoncer pour l'instant. Elle va me faire un continu, ça continue. Lol. Ouais, dégage. Tiens. Putain, je rate mes copies, voilà. Le gros rageux, quoi. Enfin bon. Donc sinon, vers la fin de la vidéo, je vais vous poser une question. Et de toute façon, hein, j'y reviendrai, ne vous inquiétez pas, quoi. Ok, Taki, plus elle a des gros nichons. Genre le gros pédobir. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant, c'est vrai que ça m'a choqué la première fois que j'avais vu ça. Enfin bon. Allez, c'est parti, on va la défoncer aussi. Je sais que elle est vachement speed comme perso. Vas-y, waouh. Mais bon, après, franchement, ce jeu-là, c'est un excellent jeu. Hein. Enfin, c'est une excellente licence. Mais après, bon, je me suis pas plus intéressé que ça parce que bon. Parce qu'après le jeu, disons qu'il m'avait blasé, quoi. Enfin, je le trouve trop bourrin. Après, peut-être que je parle trop vite, hein. Je dis ça par rapport aux personnes, hein, qui jouent à ce jeu. Enfin, je dis ça au pro par rapport aux pro-gamers, voilà. Mais après, bon, ça m'a... Ouais, ça m'a saoulé, quoi. Donc, bon, du coup, j'ai vite lâché l'affaire avec ce jeu. Pourtant, j'y ai passé, mais beaucoup d'heures, quoi. Que ça soit contre l'ordinateur ou contre... contre de vraies personnes. Enfin, contre des potes à moi qui jouaient. Donc, voilà, quoi. Ok, parfait, comme ça c'est fait. Et aussi, vous remarquez que les vies, hein, des personnages diminuent vachement vite. Hein. En même temps, vous me direz que voilà, les personnages ils se donnent des coups de lame, quoi. Mais bon, ça reste quand même un jeu vidéo. Mais c'est vrai que les coups donnent trop cher, quoi. J'ai envie de dire. Mais bon, franchement, faut avouer que Link il est vachement bien fait. Hein. En tout cas, ils ne l'ont pas raté. Lui, il va se calmer. Ouais, bon, lui va se calmer, vraiment. Avec ses nunchuck, là. Nunchaku, hop. Nunchuck. Genre le mec qui se tape avec des manettes de Wii et tout, quoi. Vas-y, calme-toi. C'est bon, laisse-toi faire. Putain, le gars, il esquive tous mes coups. Ok, il me contre. Bon, vas-y, tu vas mourir. Ok. Non, mais à part ça, c'est un excellent jeu. Franchement, j'ai passé tellement d'heures sur ce jeu. C'est tout juste énorme, quoi. Enfin bon, après non, franchement, par rapport à ma chaîne, ah bah oui, tiens, bah, en parlant de ma chaîne, j'allais dire, ouais, je sais pas quoi dire, bah si, justement, par rapport à ma chaîne, hein, pour ceux qui sont abonnés ou qui me suivent de temps en temps, vous aurez remarqué que je fais que de poster des épisodes de Pokémon XD, quoi. C'est vraiment, pour l'instant, je sais pas, franchement, je sais pas comment vous expliquer, parce que j'ai envie de faire un autre let's play, en fait. Bah déjà, la question, elle aura un rapport avec ça. J'ai envie de faire un autre let's play, mais bon, je sais pas trop quoi faire, quoi, justement, pour changer un peu de Pokémon, parce que c'est pas que ça me lasse, hein, de faire Pokémon XD, non, bien au contraire. C'est que, bon, déjà, quand je vois sur ma chaîne,
quand je vois sur ma chaîne Pokémon XD épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est un truc de ouf quand même quoi. Genre le mec qui fait que de spammer les mêmes trucs. Enfin bon, en même temps spammer ça veut dire mettre les mêmes choses, enfin de faire les mêmes choses, mais non mais voilà quoi. Donc pour changer un petit peu, hein, je vais vous demander entre 4 jeux ce que vous voulez voir en tant que let's play quoi. Mon lit va se calmer, Mitsurugi là. Vachement stylé comme personnage en plus, même si je sais pas spécialement le jouer. Allez, petite salto. Boum. Oh putain, c'était joli. Donc ouais, voilà, je vous poserai cette question, mais à la fin, de toute façon, là, profitons hein, de ce jeu. Y a pas le feu. Enfin, y a pas le feu, mais j'ai l'impression de jouer comme si je faisais un speedrun. Mais bon. Bon, vas-y là. Putain, il me fait des balayettes, le mec. Ah ouais, en plus il me contre, tranquillou. En plus il a vraiment des coups rapides, il est vachement speed le mec. Enfin le gars il me contre, oh non mais c'est chiant là. Oh l'enfoiré. Pourtant je joue qu'en normal hein, bon en même temps ça fait vachement longtemps que... Trop facile, mais va te faire foutre. Ça fait vachement longtemps que je n'y ai pas joué donc voilà quoi. Oh non mais c'est abusé, il va me faire un continu lui. Ouais, c'est chaud, franchement c'est chaud. Vas-y, calme-toi. Vas-y, viens ici. Eh mais il fait trop mal. Et franchement j'avoue je suis un peu en stress parce que j'ai pas envie de faire de... Il va me tuer. Il va me tuer l'enfoiré. Oh l'enculé, putain. Enfin bon. Bon allez on continue. C'est pas grave, on va pas se laisser abattre. Ah non mais c'est abusé, le mec il me contre et tout, c'est... Ça me fout un peu la haine quoi. Enfin de se rebattre comme ça c'est juste chiant. Vas-y. Ah bah tiens pour le coup, perfect. Voilà, grosse vengeance. Allez c'est parti, deuxième ronde. Hop. Voilà. Franchement il y a des combos de lignes qui sont vachement stylés. Je sais que mes potes disaient comme quoi... Non non non, tu vas pas me sortir du truc toi. On disait que Link était vachement... Voilà, c'est toi qui vas sortir. Voilà, bon, on disait que Link, hein, pour finir, était vachement cheaté parce qu'il utilisait des objets, mais après, ça dépend comment on joue, quoi. Après, c'est sûr, si on joue qu'avec qu'avec son arc et tout, son boomerang, c'est cheaté, quoi. Kimi wa mite itamae. Otonashiku ne. Moi les petites cinématiques, c'est parti pour l'avant-dernier combat avec le magnifique thème hein, de The Legend of Zelda, un thème hein, qu'on ne se lassera jamais et qui est très très bien repris hein, dans ce jeu. Vas-y arrête de faire tes feintes, voilà. Donc ouais je disais que mes potes ils disaient comme quoi Link était cheaté, mais tout dépend de la façon qu'on utilise. Hein. Moi je sais que personnellement la façon dont j'utilise il est pas cheaté quoi. Vas-y calme-toi là. Eh le gars il esquive tous mes coups, c'est quoi ce bordel? Vas-y, viens ici. Ok. C'était chaud hein. C'était chaud tout ça. Allez, viens ici. Donc merde. Putain je voulais faire montrer des trucs mais bon. Ouais donc on peut utiliser merde. Putain je voulais utiliser les objets en fait juste pour vous faire montrer pour ceux qui connaissent pas. Non ça c'est une attaque cyclone en plus. Vachement facile à contrer donc c'est vachement dommage. Voilà la bombe. Bon, elle s'est protégée. Vas-y calme-toi Raphaël. Voilà, dégage. Et ça c'est l'arc. Et je sais même plus ce qu'il faut faire pour utiliser Boomerang. Je pense qu'il faut appuyer sur deux boutons, sur A ou Y. Enfin A Y pardon. Enfin bon, c'est pas grave. Ok, et c'est parti pour le boss. Ok, donc cette fois on se bat contre Inferno, un personnage qui est vachement abusé, hein. Bon en même temps c'est un boss hein, j'ai envie de dire, mais en fait le mec il utilise plusieurs armes hein, des persos du jeu.
Et genre à chaque fois qu'on le défonce, il change d'arme à chaque fois quoi. Donc il est assez chiant. En plus là comme vous voyez, je lui enlève pas beaucoup. Enfin vous allez voir quand lui va me donner des coups la différence. Voilà. Donc bon. En plus les flammes qui jaillissent du sol, c'est fait pour m'emmerder évidemment. Ce qui fait que je vois mal ce que je fais. Enfin bon, là cette fois utilise le Nunchaku. Est-ce que je le bats du premier coup? J'en sais rien. Sachant que le match est. Enfin que le combat est en ronde, en un seul round, donc voilà. Allez, il va encore changer d'arme. Non, ça va être la dernière fois. Putain. Ok, c'est bon. Là je pense que j'allais prendre cher hein, s'il m'avait touché. Vas-y, calme-toi là. Donc là vous voyez comment il me rattrape hein, le mec, hein, c'est un truc de ouf. Vas-y là. Voilà, il m'a foutu KO, même pas. Voilà, mais quel enculé. Ah non, mais ça me fout la haine, quoi. Le gars, j'allais le défoncer, lui, en 3 coups, il me défonce, quoi. Tranquille. Tranquille, enfin bon. Bon, allez, viens ici. Non, mais bon, franchement, à part ça, hein, bon, je me répète, mais bon, c'est un excellent jeu, hein. Et il a cru que c'était un... que c'était un bloc à pousser, Link. Enfin bon, c'est un ouf. Là, franchement, pour l'instant, il est facile, mais en fait, c'est vers la fin qu'il commence à faire chier. En fait, c'est une fois qu'il commence à foutre des coups, voilà, quoi. Voilà. Bon, j'espère qu'il va pas me défoncer une deuxième fois. Donc, voilà, raison de plus, hein, il est vachement pas cheaté, Link, hein, moi, je trouve. Hein. Parce que déjà, quand il utilise son arc, il est vachement facile à esquiver. Oh putain, il va me défoncer. Non, ça va pour l'instant. Allez, on l'achève. Et bah dis donc, il était pas facile lui. Il a cru que c'était Epona là. Enfin bon, en tout cas, c'est fait. Enfin bref. Bon, franchement, bon, c'est une petite vidéo, hein. C'est une vidéo assez courte, mais bon. En même temps, voilà, bon, à la base, je savais pas trop quoi faire pour mes chers 300 abonnés, même plus maintenant, donc bon, c'est toujours mieux que rien, j'ai envie de dire. Link s'était rendu dans ce monde afin de vaincre le mal qui menaçait Hyrule. Après un long périple, il était parvenu à venir à bout de cette terrible menace. En sauvant Hyrule, il avait du même coup restauré la tranquillité de ce monde. Putain, en passant, vachement stylé l'image. Link repartit alors, ne laissant derrière lui que l'écho de quelques notes d'Ocarina. Ok, donc voilà, ça y est, c'est fini. Donc sinon, pour en venir à ma fameuse question, je voulais vous poser cette question. Quel let's play, quel jeu voudriez-vous voir en tant que let's play? Si je le fais, je ferai en sorte de le sortir tous les mercredis. Donc alors, vous avez le choix entre 4 jeux. Alors il y a Super Mario Bros de Super Mario All-Star, donc la version Super NES. Ensuite Sparkster, hein, un jeu que j'avais fait, qui était mon tout premier let's play. J'avais fait aussi en live, mais je sais pas, j'ai envie de le refaire. Mais si je le fais, je le fais en Crazy Hard plutôt. Qui est la difficulté maximale du jeu. Ensuite, il y a Donkey Kong Country. Et ensuite, il y a Zelda 2 de la Nintendo, quoi. Donc voilà, je compte sur vous pour voter. Donc normalement, cette vidéo, je la mettrai mercredi. Donc vous pouvez voter jusqu'à mercredi prochain. De toute façon, vous verrez le lien dans la description pour voter. Donc voilà. Et aussi, bon, ça ne sert à rien de dire par commentaire. J'en prendrai pas en compte. Donc, votez sur le lien que je vous laisserai ci-dessous de la description. Puis, voilà, voilà, quoi. Enfin, bon, écoutez, mes amis, on va se laisser ici. Et puis, merci encore hein, pour les 300 abonnés, voilà. Et ainsi que pour mes followers, en passant, bien sûr. Donc, voilà, et merci encore, hein, et je vous dis à très vite et portez-vous bien. Allez, ciao !